l'État garde une distance égale entre que ce soit un dimoule, l'hindou, les musulmans, ou bien les athées, ou bien les agnostiques. Peu importe, mais tout ça, dimoule-là, ils ont le même pied d'égalité dans sa relation avec l'État. C'est tout ce qu'il veut dire. Concept de sécularité dans différents pays, l'Inde, Western Concept, l'Amérique ou India, côté vraiment différent, vraiment in a different shades of the grey. Mais Maurice, étant poupée de séculaire de constitution, c'est quoi, quelle définition de séculaire, qui concept pour vous mettez et qui va conséquence pour une de différents aspects de la société qui, par exemple, la constitution, il provide for best user system. Alors, est-ce qu'il nous a qu'un seul best user system? Est-ce qu'il nous a qu'un seul public holidays for festivals? Est-ce qu'il pourrait venir s'asseoir le bacabal de marché raté pour cause en Indien, comme monsieur le pointeur? Qui va être conséquence et qui peut faire après? Le Premier ministre, il cause l'eau télévision en hindi. Le Premier ministre, il cause l'eau télévision en hindi. Le Premier ministre, il cause dans grand bassin en hindi, télévision in a group or cause. There's a big difference. Non, quelle nuance! Le Premier ministre, non, attends. Le Premier ministre, tu donnes une place, je suis désolée, tu donnes une place religieuse, côte. Tu vas voir, tu passes l'information. Bon, ça, MBC peut-être pas vous passer, oui. D'accord, mais mon frère, ok, non, là, vous bien clair, là. MBC peut-être pas vous passer le Premier ministre, parce qu'on y dit. Ça, c'est le débat. Mais que le Premier ministre gagne droit, cause, langage, qu'il y voulait dans une place religieuse, ça, c'est ce droit aussi. Parce qu'il y a une place religieuse, il a envie d'adresser avant le religionnaire de sa religion-là. Demain, si le Premier ministre en vient à cause. Mais il faisait faire les coups, oui, pas comme le Premier ministre. Oui, exactement. Mais il pas. Oui, tout à fait. Mais seulement, peut-être, je ne sais pas, vous avez transmetteur, ça c'est le débat. Bon, ça c'est notre histoire. Mais par contre, pour ce que je veux dire, Maurice, il a subside aux religieux. À toutes les religions, par exemple. Non, on ne peut pas dire qu'il. Avant, moi, je peux dire qu'il faisait carrément. Mais après, on révise un peu comment à demain, ça. Parce qu'en fait, c'est un droit acquis. Mais moi, je suis bien content qu'il subside là, pas bien augmenté, pas bien aller. Mais par contre, je faisais des mal compte. Accountability, l'eau, comment leurs enracines. Je ne peux pas dire qu'il nous faisait abolir subside religieux. Je ne peux pas dire qu'il nous faisait payer un fonds public religieux. Je ne peux pas dire l'autre affaire qui te dit. Non, best user system, ça veut dire nous abolir, ça veut dire. Parce que nous avons un débat justement que ça, c'est encore un peu comme le débat de l'avocat au corps. Je ne trouve pas normal que moi, comme moi, cause candidat, mon visa mette-moi dans une boîte. D'ailleurs, moi, je dis, moi, quand on mette-moi dans une boîte. Mais mon visa mette-moi dans une boîte. Et sa bonne boîte-là, sa quatre boîtes-là, c'est, au fait, c'est même pas quatre boîtes religieuses. C'est quatre boîtes de sociologique de l'époque. Donc, à l'époque, tu fais trappe du monde, comme on dit en graphe. Toi, tu es hindou. Toi, tu es musulman. Toi, tu es sino-mauricien. Après, quatrième boîte, mais ce n'est pas à trois-là, tu la comptes. Si tu as raté, si tu n'as pas ni ceux, etc. Parce qu'à l'époque de 68, justement, la société mauricienne était plus ou moins dans sa quatre boîtes sociologiques. Ce n'était pas quatre, mais pas quoi les pères fondateurs de la constitution, tu peux penser religieux as such. Ce type pense quatre boîtes sociologiques. Et ça rappelle qu'il était corrélé avec la religion. Mais il arrive là pour nous songer parce qu'il me croise, on dit, comme tout le temps, le Premier ministre d'ailleurs dit, qu'il nous mauricien et nous pas bizin, justement, c'est ce qui ravine, tu peux dire, tout ça va nos affaires socioculturelles qui regroupent eux avec les politiques, etc. D'ailleurs, il y en a beaucoup, ça m'a dit, là, je finis, je dis, je t'ai envie de montrer eux, etc. Mais malheureusement, oui, les politiciens de toutes les partis politiques visent faire avec. Et toutes les partis politiques finent faire avec. D'ailleurs, ça va dans un groupe socioculturel là. Avant-hier, je suis avec Jarnat. Hier, je suis avec Béranzé. Ça aussi, je suis avec Ramoulam. Donc, je suis dans une flexibilité extraordinaire, ça va. Je suis dans une diversité de corrélations extraordinaires. Bon, c'est un symbole politique, c'est le dialogue. Voilà. Donc, ça, mais c'est justement ce qui nous faisait changer. C'est pour ça qu'il nous peut dire, nous bizarre même sa réforme électorale là, pour qu'il dit, mais, un dimoun, peu importe qui s'en a. Il n'est pas bizarre quand il pose candidat pour représenter. Parce que quand on pose candidat, on ne pose pas candidat pour représenter un groupe. On ne peut pas sentir comme ça. Et s'il y en a qui est dans sa forme-là, il y en a. Malheureusement, il est comme ça. Dans sa 69 du monde-là, il y en a beaucoup de monde qui pensait que je suis là-bas pour représenter un groupe du monde. Quelconque.
mais il n'est pas supposé comme ça. Comme moi, dans cet appartement-là, moi, je suis posé représente également. C'est ça, la notion de la sécularité. Moi, je suis posé représente également l'hindou, le musulman, le chinois, on parle de ça, les bouddhistes ou les pas bouddhistes ou whatever, le chrétien, de n'importe quelle dénomination il était, les adventistes, les protestants, les catholiques, l'athée, qui peut n'avoir aucune religion, qui ne croit pas en religion, l'agnostique. Moi, je suis posé comme député au Parlement et n'a une égalité de traitement de tout ça. Je ne représente personne, elle plus qu'il l'autre. Je représente tout le monde. Et il bizait comme ça. Et c'est pour ça que la réforme électorale est importante. Et c'est pour ça que je pensais qu'il est triste qu'il y ait un du monde dans le Parlement et un parti politique de l'opposition, surtout le MMM, vraiment triste. Non, je ne vais pas faire politique parce que je suis en c'est ça qu'il me pensait, il y a un du monde pour qu'il nous laguait, pas trop laguait. Nous laguait, oui, comme ça. Mais quand nous discutait vraiment, franchement, hein, Mozoël Kichon, Mozoël Satish Boulel ou Rajesh Bhagwan, dans le couloir au Parlement, nous avons une discussion franche. Et moi, dis comment mon petit azote ici, je trouve ça triste. Et même Steve Obigado, d'ailleurs, Steve Obigado, il est même longueur d'autre que moi. Mais pas qu'à dire à le sauveur. Mais, non, il y a beaucoup d'affaires qui nous amènent en commun, il m'a débité de l'opposition, mais c'est pas qu'à dire à les autres partis. Pareil, moi, je ne peux pas qu'à dire au, dans le public certaines affaires. Mais dis comme ça dans la politique. Mais je trouve ça triste qu'il y ait une position, un parti comme le MMM qui finit. Et là, un aura de progressiste. Qu'ils ont dit, même le MMM peut dire, ah non, mais bon, la zone changée là, c'est tant mieux. Qui participait, élimine le même sous le système, etc. Parce que quand nous disons ça, nous peut augmenter la frayeur de telle ou telle communauté. Et alors qu'il n'est pas nos rôles comme leader de politique, comment tu peux dire, tu as l'air to pitch to that level. Nous devons pitch to the level of human attributes, les aspirations humaines. Et non pas les frayeurs, parce que nous tous, on a frayeur. Qu'il y ait individuel, qu'il y ait niveau groupe, nous tous, on a frayeur. Humain ça, mais nous pas là, nous pas supposés là comme politiciens pour pitch, pour pander tout les frayeurs de l'humain. Nous supposés là pour pitch aux aspirations de l'humain, et c'est pour ça que le projet de sécularité est extrêmement important. Il fait nous sortir si on a chaîne, merci. Maintenant, mon père Catherine le chaîne. La notion de sécularité, il fait nous sortir dans un système que nous pitch tout. De les frayeurs et les animal instincts de l'humain à un système que nous pitch aux aspirations humaines de la société et de la population.